Zone TV. Diomaye, je le félicite d'avance d'avoir pris le trône sénégalais. Moi, je le souhaite, n'est-ce pas, une exaltante mission, mais qu'il sache que ce dossier Casamance l'attend. Parce que dans ces deux discours-là, il n'en a même pas fait cas. Peut-être que ce n'est plus une priorité pour eux. Ah, ben alors, on verra bien, puisque une crise qui est là, qui demeure toujours. Vous essayez de faire les oubliettes, d'ignorer. Et c'est ça la résolution de cette crise. Nous interpellons ce nouveau-né, celui-là qui est Diomaye, au nom du MFDC. Eh bien, de prendre ses responsabilités, parce que nous l'attendons. Nous l'attendons. Peut-être que lui, au moins, n'utilisera pas la façon de faire de ses prédécesseurs. D'autant plus que il est sous le couvent, n'est-ce pas, d'un fils du terroir Casamance. C'est là où nous attendons. Peut-être que ce fils Casamance va prendre ses armes contre ses frères. On verra bien. De toute façon, c'est une crise qui mérite d'être réglé au plus vite. Parce que quand on sait que c'est une crise qui est la crise la plus vieille du monde, faudrait pas que cette crise-là, eh bien, devienne la crise des 100 ans, la guerre des 100 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute guerre, et toute guerre finit sur une table de négociation. Nous interpellons ces gens-là, qu'ils prennent la chose à bras le corps, qu'ils foncent, parce qu'il faut régler cette crise-là. Sinon, il n'y aura jamais de paix. Ça, nous le savons, il n'y aura jamais de paix. Tant qu'il y a cette crise-là, c'est une épine sur le pied du Sénégal. Et quand ils veulent régler cette crise-là par la ruse, ils perdent leur temps. Et nous sommes là jusqu'à présent. Nous attendons, le MFDC et là ne bougera pas. Il est là et à l'écoute. Zone TV.